Bonjour, dans cette vidéo je vais vous proposer plusieurs manières de jouer ce morceau-là, It's a Heartache de Bonnie Tyler. Alors j'ai pas joué tout le chant, c'est-à-dire que j'ai joué que l'enchaînement couplet-refrain et final. Si vous voulez jouer tout le chant, il faut répéter autant de fois le couplet que nécessaire, autant de fois le refrain que nécessaire et finir. Mon but c'est pas juste de jouer le morceau ici, c'est plutôt de vous le présenter, de vous proposer plusieurs manières d'accompagner. Alors la première manière d'accompagner, c'est pour être assez simple. Donc on peut faire un arpège sur les temps, comme ceci. Quatre temps par mesure. L'accord, vous le déclinez première note, dernière note, note du milieu et dernière note sur quatre temps. Ça donnera un truc comme ça, hein. Je voulais jouer sans pédale, mais bien sûr vous pouvez jouer avec la pédale. Alors la pédale, il s'agit d'ajouter, de la lâcher à chaque mesure, hein, chaque changement d'accord ou chaque mesure quand l'accord dure 2 mesures. Hein. Et puis vous terminez avec le dernier accord, le CM7, hein, Do maj 7. Vous faites par exemple comme ça, hein, Do à la main gauche et Sol Si Mi à la main droite. Et vous l'arpégez un petit peu, c'est-à-dire vous faites pas tout en même temps, vous faites vraiment tout en décalé comme ça. Et en laissant vos notes appuyées. Alors pour l'arpège que j'ai utilisé, il y a la mesure 7, vous voyez que, mesure 8, pardon, vous voyez que le C slash E, le Do basse de Mi. Donc sur la forme de l'arpège, bah on fait comme ça. Voilà, donc ça décale juste l'accord, comme ceci. Bon. Alors maintenant je vous propose une deuxième version qui est plus dure, celle-ci, bien sûr. Vous pouvez faire le même type d'arpège, mais avec un arpège sur octave cette fois-ci. Donc là, j'utilise la pédale pour vous le montrer. Alors je ne détaille pas, hein, la gestion des contretemps, des temps et tout ça, parce que ça, c'est censé être acquis. Donc voilà, je le mets ici, dans cette leçon-là, parce que précisément, je vais être de plus en plus dur. Hein. Mais ça peut, bon, vous pouvez l'aborder dès la leçon 4, avec l'arpège que j'ai donné au début. Hein. L'arpège en octave aussi, hein, peut se faire dès la leçon 4. On n'avait pas vu la gestion de la pédale, mais voilà, si vous l'ajoutez. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on ajoute la difficulté de la main gauche de la jouer sur les croches, non pas sur les temps? Alors on va faire un accompagnement comme ça. Donc vous commencez comme l'accompagnement sur octave, sur 5 croches.
vous allez me dire, ça complète pas toute la mesure. Une mesure, ça dure 8 croches, hein, 4 temps, je vous rappelle. Alors, sur 5 croches, effectivement, on ne fait pas toute la mesure, mais on fait l'essentiel. Donc, là, ici, il va s'agir de compter, en fait, à combien, quand est-ce qu'on s'arrête à la main gauche par rapport à la main droite et inversement. Par exemple, pour la deuxième mesure, enfin la troisième mesure, vous voyez qu'on a un silence de 2 temps au départ. 2 temps, c'est combien? C'est 4 croches. Donc, j'aurai le temps de faire celle-ci et. Il faudra faire la jonction, enfin la coordination entre les croches de la main gauche et les notes de la main droite. Donc il ne s'agit plus de compter sur les temps, mais sur les croches. Bon, voilà. On a déjà fait ça. Hein. Alors, comment ça se fait? Je joue donc l'accord, l'octave, hein, Do, la fondamentale, la quinte et l'octave. Et je vais passer le doigt numéro 2 par-dessus pour faire ce qu'on appelle la neuvième. Et finir sur la tierce. Et la pédale permet de garder le son des premières notes. Alors je vous donne tout de suite l'accord de mi mineur. Alors l'accord de mi mineur, jouer la neuvième, ça fait intervenir un fa dièse. Bon, et bien vous vous y accommodez, et puis vous le jouez. Et puis l'accord de fa, Alors pour l'accord de mi, c'est un peu particulier, enfin l'accord de do, pardon, sur une base de mi, c'est un peu particulier, puisque ben, il est renversé, donc... Vous faites la neuvième, non pas en quatrième position, mais en troisième position. Alors cette gestion du renversement, c'est un exemple, on pourrait le faire complètement autrement. Voilà, je fais au plus court pour. Et puis alors qu'est-ce qu'il me reste comme accord? L'accord de la mineur. Voilà. Alors je vous joue ce que ça donne. Ce final, je l'utilise tout le temps, donc il se fait bien. N'hésitez pas à le faire et à le refaire. Bon, je me suis trompé une ou deux fois dans ce passage-là, mais dans cette version-là, je n'ai pas préparé mon coup pour les jouer. Mais je vous, voilà, c'est une étude de cas en fait. Hein. Et une dernière approche, c'est à la main gauche. Cette fois-ci, on va en faire beaucoup moins. On va faire que des basses, des octaves de basses. Par contre, à la main droite, on va rajouter l'harmonisation à la main droite. Alors qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, pour clarifier la position de ma basse, si le pouce vient gêner de temps en temps la main droite, bon, bah, je l'enlève, c'est pas très grave. Hein. Donc au départ, je le fais tous les 4 temps, puis tous les 2 temps. 1, 2, 3, 4.
1 par exemple, et puis après tous les temps, 1, 2, 3, 4. Donc je juste fais que des octaves à la main gauche. Et qu'est-ce que j'ai fait à la main droite? Eh bien, sur les notes longues, alors les notes longues, bah, ce sont des notes en fait qui sont répétées et qui sont quasiment uniques dans leur mesure. Par exemple, la deuxième mesure, bon, on n'a que des do à la main droite en mélodie, et bien on va faire l'accord de do renversé, de sorte à ce que l'accord à la main droite, hein, donc on va plaquer l'accord de do à chaque fois. Vous voyez qu'il y a deux notes écrites à la main droite, il y en a trois, mais il y en a une qui est liée, hein. Il y en a deux qui sont liées, donc ça fait deux notes, hein. Et donc on va faire l'accord de do qui termine par do. Alors l'accord de do, il termine pas par do normalement, mais il termine par sol. Hein. Et bien on va le renverser, mi sol do, ah bah c'est bon, ça termine par do, de sorte qu'on entende bien la mélodie. Alors, vous voyez la troisième mesure, on a quatre notes, quatre croches qui se suivent. Ah, c'est hors de question de faire des accords là-dessus, hein. Ça ferait beaucoup trop. Donc, on va les faire toutes seules. Et puis après, on arrive sur le sol et l'accord de mi mineur. Et l'accord de mi mineur, bah, si, donc mi sol si, hein, si je le renverse, ça donne mi si mi sol. Voilà. Mesure 5, pareil. Rien à faire là-dessus. Et puis après, je bouge un peu vite fait la main. Trouver l'accord de fa renversé, donc la do fa, hein, c'est pas fa la do, c'est la do fa, puisque il faut qu'on termine par la mélodie. Mesure 8. Voilà, et là, mesure 9, bah mon ré est lié à la main droite, certes, hein, il commençait à la fin de la mesure 8, mais sous la mesure 9, bah je complète l'accord qui me reste à faire, donc c'est l'accord de sol. Hein, si j'avais le ré à la main droite, il manquait le sol et le si en dessous. Voilà. Et si je continue, mesure 10, 11. Donc mesure, fin de mesure 11, début de mesure 12, je complète mon accord. Alors j'ai le droit quand même de faire l'accord qui va suivre en anticipation. Voilà, hein, mesure 11 et 12 par exemple. Je refais la mesure 11. Avez vu, j'ai fait mon accord de sol en même temps que le sol de la fin de la mesure 11. Pourquoi? Parce qu'après, cette note-là est liée sur un sol qui aboutit sur l'accord lui-même de G, hein, de sol. Donc autant l'anticiper, il n'y a qu'une croche de différence. Et puis ça me facilitera la vie pour mes positions de doigts. Et puis mesure 12-13, pareil. Pareil, mesure 13-14. Voilà. Donc ce positionnement des doigts, ici, il faut que la main droite soit très mobile. Hein. Articuler tout ça ensemble, l'harmonisation à la main droite et l'accompagnement sur les croches à la main gauche. Et puis si vous avez peur de vous trop vous bousculer entre les deux mains, bah, montez la main droite. Voilà, c'était une petite étude de cas, une petite transformation d'accompagnement à la main gauche, et puis on complète avec l'harmonisation à la main droite. C'est toujours ça que je fais dans ma tête, enfin plus ou moins naturellement quand je joue un morceau. Donc voilà, ce sont des outils que je vous partage. Bien sûr, je ne les détaille pas plus que ça. C'est vraiment une étude de cas pour que vous réfléchissiez vous-même. Et puis voilà, dans la partition, j'ai mis la version avec cet accompagnement-là afin que vous arriviez à voir où se situent les notes de la main gauche par rapport à la main droite. Et puis j'ai également mis l'harmonisation à la main droite. Donc là, je fais qu'une basse à la main gauche. Enfin, j'ai écrit qu'une basse à la main gauche pour l'instant là. J'ai pas mis les deux ensemble. Bien, voilà, j'espère que ça vous sera utile. Et puis, voilà. Et puis je vous
vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.